Salut, bienvenue dans Avocat, l'émission juridique, l'émission qui vous parle de manière simple, accessible, qui vous parle de droit dans tous les domaines du droit qui vous intéressent. Si quelque chose vous turlupine, j'adore ce mot, eh bien vous nous posez la question sur www.avocat.net. Nos avocats y répondent sympathiquement et également de manière accessible et simple. Donc ça, c'est vraiment une particularité de l'émission. Alors, on a trois avocates charmantes qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer par présenter Sandra Salvador, avocate au barreau du Val d'Oise. Bonjour Sandra. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va. Droit de la famille avec vous, toujours? Toujours. Les divorces, séparations, pensions? On va peut-être changer un jour, on fera d'adoption, des choses un peu plus gaies. C'est pas bête. Pensons aussi à ça, droit de la famille. En tout cas, beaucoup, beaucoup de conflits. Pratiquement un divorce sur deux, c'est ce qu'on dit à Paris. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. À côté de vous, Barbara Sibi, qui a également du fil à retordre avec le droit pénal, avocate au barreau de Paris pour toutes les questions pénales. Également un peu droit routier aussi. Enfin, vous faites beaucoup de choses. On va parler avec vous de, justement d'accident de la circulation dans un instant. Ça va, Barbara? Très bien, merci. Tout va bien? Tout va bien. Une habituée de l'émission maintenant aussi? Oui. Vous avez vos marques, vous êtes bien. Allez, on parle avec vous dans quelques minutes. Et puis, à vos côtés, Emmanuel Tibi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Yves. Avocate au barreau de Paris également, en droit du travail. Qu'on appelle droit social, d'ailleurs. Hein, droit social, parfois, gens droit du travail. Droit social. C'est oui. Droit du travail, c'est pareil, en fait. Oui, hein, c'est voilà, la même chose. Une question intéressante qui va intéresser notamment les caissières qui nous écoutent. Donc, si vous êtes caissière, mais pas que, bien sûr, bah, soyez attentifs. On va commencer avec allez, Sandra. Allez, commençons avec Sandra. On va parler de droit de la famille tout de suite. Avec une question qui nous vient de Delphine de Cannes. Copine ? Jolie région. Hein, non, jolie c'est région. Pas une copine. Je ne connaissais pas du tout. Alors, Delphine nous dit, ma mère, qui m'a abandonnée à l'âge de 10 ans, est placée en maison de retraite. Aujourd'hui, le conseil général me demande de régler une pension. Voilà. Point. Oui. J'imagine qu'elle me demande à ce qu'elle doit vraiment payer. Mais oui, là, du coup, il y a un retour de... Il y a un retour de manivelle. De manivelle. Hein, c'est exactement peu, ça. Je pense qu'on l'a déjà abordé à plusieurs reprises. Hein. Il y a toujours une obligation d'entretenir ses enfants, de contribuer à leur éducation et à leurs besoins quotidiens. Même majeur, on l'avait vu dans une même majeur, mineur, majeur, ça s'arrête là. Mais on a également le corollaire, puisque du coup, les descendants ont également une obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants. Donc ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, en ligne directe. Ça ne marche pas sur les frères et sœurs. Ouais. Mais il y a cette obligation alimentaire qui existe. Alors, ce qui se passe assez souvent, soit c'est cette personne-là qui est dans le besoin et qui enclenche une action en justice pour faire valoir ses droits, soit, comme dans ce cas de figure-là, manifestement, c'est une personne qui est placée en maison de retraite, les besoins sont insuffisants, donc dans ces cas-là, le Conseil général se substitue dans le cadre de la procédure. Il peut le faire. Il peut le faire, tout à fait, il a cette option-là. Il saisit à l'encontre de tous les débiteurs, donc ça peut être les enfants, les petits-enfants, et on essaye de voir ce qui peut être fait par rapport à ces nécessités-là. On prend toujours en considération les besoins du débiteur, les possibilités également de contribution du... les besoins du créancier, les possibilités de contribution du débiteur, et tout cela donnera lieu à un jugement. Alors, est-ce qu'on est toujours obligé de s'acquitter de son obligation alimentaire? Non, pas forcément. Ça peut être, on peut être exempté de contribution dans le cas où le créancier a manqué à son obligation à un moment donné à l'encontre du débiteur. D'accord, c'est donc là, la mère, en l'occurrence, pour exactement, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. On le fait valoir, cette ingratitude. Ça peut être plusieurs cas de figure. On imagine, par exemple, un père qui aurait refusé de reconnaître sa paternité, par exemple, à l'encontre d'un de ses enfants. Ça peut être, dans ce cas de figure-là, une mère qui aurait abandonné moralement, matériellement, financièrement, son enfant à un moment ou un autre de son existence. Dans ce cas-là, il faut quand même apporter des justificatifs et on peut être exempté de toute obligation alimentaire. Pour ingratitude, donc du créancier, de l'ascendant en question. Exactement. Donc, le droit est quand même un peu juste et moral. Il y a un peu d'équité, hein, finalement. Certains cas, malgré tout, on remarque de temps en temps. Parce que là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est pas juste que je doive payer aujourd'hui alors qu'elle m'a abandonné en l'occurrence, mais, ou dans d'autres cas de figure, c'est vrai. Mais là, non, on peut faire valoir cet argument-là, en tout cas. Tout à fait. Et ça marche. Et ça marche. Bon, alors voilà. Bon, en tout cas, peut-être que Delphine veut payer quand même, parce qu'il y a aussi le fait que c'est quand même sa maman et qu'on peut pardonner. Hein, le pardon existe aussi. Mais c'est vrai que si elle n'a pas envie, elle peut faire valoir cet argument-là. Merci beaucoup, en tout cas. Nous sommes pleins de gratitude pour cette réponse, ma chère Sandra. Et Barbara va nous parler de toute autre chose, d'une personne qui a provoqué un accident de la circulation alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. C'est Claude qui nous raconte cette histoire-là et nous demande en gros quels sont les risques qu'il encourt. Donc d'avoir provoqué un accident alors qu'il avait un peu trop bu. Allez. Claude, qu'est-ce que c'est que ça, Claude? Ben, il aurait pu risquer sa vie déjà lui-même. Hein.
Tout à fait. Alors Barbara, qu'est-ce qu'on lui fait à ce Claude? Alors déjà, sans vouloir effrayer ce pauvre Claude, il faut savoir que la loi sanctionne très durement les conduites sous l'emprise d'un état alcoolique. Déjà, l'alcool est une circonstance aggravante du délit de blessure involontaire ou même, parfois de façon plus dramatique, d'homicide involontaire. Alors déjà, quels sont les taux? Il faut savoir que le taux d'alcool qui est compris entre 0,50 g et 0,80 g par litre de sang, là, ça relève du contraventionnel. Donc, vous serez poursuivi devant le tribunal de police. En revanche, lorsque le taux est supérieur à 0,80 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,40 mg par litre de sang d'air expiré, ouais, là, bien évidemment, le taux est délictuel. Donc, correctionnel. Donc, correctionnel, devant le tribunal correctionnel. Alors, effectivement, il faut faire le distinguo entre blessure involontaire, parfois, un accident de la route peut causer des blessures, ou parfois, malheureusement, peut causer la mort de quelqu'un. Lorsque les blessures involontaires causent une ITT inférieure à 3 mois. Alors, rapport ce que c'est, que ce n'est pas une marque de voiture, l'ITT. Hein, il y a l'Audi TT qui n'a rien à voir. Interruption. Non, parce que c'est incapacité temporaire de travail. Voilà, et donc, supérieure. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Est inférieure à 3 mois dans ce cas-là. Et je rappelle, l'alcool est une circonstance aggravante. Les peines sont portées donc à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Il faut savoir aussi qu'il y a des peines qui sont complémentaires et qui peuvent être prévues, notamment la suspension, voire l'annulation du permis de conduire. C'est vrai que tout dépend aussi si ce pauvre Claude est en état de récidive légale ou pas. En revanche, lorsque l'ITT est supérieure, incapacité temporaire de travail est supérieure à 3 mois, les peines sont portés à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, toujours les mêmes, c'est très sévère. C'est grave. C'est les peines qui sont prévues par la loi, mais qui ne sont pas forcément prononcées par le tribunal correctionnel. Et effectivement, toujours les mêmes peines complémentaires qui sont liées au permis de conduire, suspension, voire annulation du permis de conduire, annulation qui peut être assortie également d'une durée d'interdiction d'avoir à repasser son permis de conduire. Et en cas d'homicide involontaire, les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, annulation du permis de conduire. Alors simplement pour finir mon propos, il y a l'aspect pénal, mais il faut souvent, puisqu'on est dans le cadre de blessures, voire d'homicide involontaire, il y a aussi l'aspect civil à envisager, puisque l'alcool, circonstance aggravante d'un point de vue pénal et répréhensible, mais aussi cause d'exclusion de garantie de la part de l'assurance, parce qu'il y a tout le volet civil à envisager, notamment en termes d'indemnisation des victimes. Alors, oui, l'alcool, si on n'arrive pas à la faire tomber dans le cadre de la procédure pénale par des irrégularités de procédure, eh bien, l'assurance garantira bien évidemment les dommages qui sont causés aux tiers, dommages qui peuvent être matériels ou corporel. En revanche, pour vous, si vous avez subi des dommages, qu'ils soient également corporels ou matériels, eh bien, les frais restera à votre charge. On n'a rien parce qu'on a bu, voilà. Ce sera le slogan. Tu n'as rien parce que tu as bu, voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'est pas gai pour Claude, évidemment, voir quel était son taux d'alcoolémie, quels étaient également les préjudices, en tout cas, si on espère qu'il n'y a pas de blessés graves. Mais voilà, Claude, prenez un avocat, ça c'est sûr, parce que là, ça, je crois sûr que quand on est dans cette situation, il faut me faire attention. Merci beaucoup, Barbara. Nous allons prendre notre audit été, justement, et aller voir notre ami Emmanuel. C'est pas très loin, mais on fait un petit dérapage. Emmanuel qui nous parle, Emmanuel Tibi, avocat du barreau de Paris, qui nous parle de droit social, donc droit du travail. Alors, on va parler d'une caissière, parce qu'elle nous dit Maria de Saint-Brieuc. Voilà, un très, très beau casino au champ champion. Il me faut trois marques. Hein, Carrefour, voilà, que j'ai tout fait pour là-bas. Alors, elle est caissière et mon employeur m'accorde depuis 2 ans tous mes mercredis pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Bon, aujourd'hui, mon employeur a changé mes horaires et il m'oblige à travailler le mercredi. Suis-je en droit de refuser? Parce qu'il lui laissait tous les mercredis, maintenant il ne veut plus. Non, voilà. Alors cette question soulève deux problématiques, hein, l'autorité de l'employeur d'un côté et l'articulation de l'autre côté entre, pour les salariés, entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Alors l'employeur a la maîtrise, hein, des plannings, des horaires de travail,
planning qu'il adapte, et on le comprend très bien, en fonction de l'activité de son entreprise. L'employeur a, au titre de son pouvoir de direction, la possibilité de modifier les horaires de travail et la répartition des jours de la semaine travaillée, mais il ne peut pas le faire dans n'importe quelles conditions. Alors, il va devoir respecter un délai raisonnable, déjà, avant de mettre en application les nouveaux horaires. Il ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et pour Maria, pour le cas de Maria. Oui, pour Maria, parce que Maria, c'est mercredi, elle, depuis des années. Voilà, donc il faut vérifier déjà si dans son contrat de travail, ses horaires de travail sont prévus ou non. S'ils sont prévus, eh bien dans ce cas, son employeur ne pourra pas lui modifier ses horaires sans son accord. S'ils ne sont pas prévus dans son contrat, il va falloir vérifier si les nouveaux horaires qui sont... Parce qu'il y a deux problématiques. Il y a le changement des horaires et il y a le changement du jour de repos. Le changement des horaires, il faut vérifier si ça n'emporte pas un bouleversement important dans l'organisation de son temps de travail. Alors, dans certains cas, l'employeur va pouvoir, sans problème, imposer des nouveaux horaires. C'est le cas, par exemple, il demande à son salarié de venir travailler à 9h au lieu de 10h. Il n'y a pas de bouleversement important dans les conditions de travail. Le salarié doit accepter, il ne peut pas refuser. Donc, c'est dans d'autres cas, un peu moins de grasse mat, enfin bon, ça passe. Voilà, moins de grasse mat, mais ça passe. Mais dans d'autres cas, par exemple, passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ou encore d'un horaire de jour à un horaire de nuit, dans ce cas-là, le salarié peut refuser puisqu'on voit bien qu'il y a un bouleversement dans les conditions de travail. Substantiel, comme dirait l'autre. Substantiel. Et dans le cas de Maria, il y a une autre problématique qui est le changement du jour de repos habituel. Si ce changement porte une atteinte excessive à la vie familiale et privé du salarié, eh bien dans ce cas, le salarié est en droit de refuser. Et c'est le cas de Maria, puisqu'elle bénéficie de son mercredi depuis 2 ans. C'est bien ce que j'ai entendu. Tout à fait ça. Depuis 2 ans. Et puis, elle bénéficie de ce mercredi pour s'occuper de ses enfants. Donc, il y a une atteinte à sa vie familiale. Et donc, elle est en droit de refuser. Donc, si toutefois, elle venait à être licenciée pour avoir refusé les nouveaux horaires de travail et de travailler le mercredi, eh bien, son licenciement sera sans cause réelle sérieuse. Enfin, ce sera elle de le démontrer. Elle saisit le conseil de prud'homme. Elle se fait assister d'un avocat et elle pourra ensuite réclamer des dommages et intérêts. Donc là, à la moyen d'agir, Maria, si toutefois elle est licenciée, parce que peut-être qu'elle va dire non, que son patron va dire bon, ok, d'accord. Bien sûr. Mais si il ne veut pas dire non et qu'elle ne peut pas et qu'elle est licenciée pour ça, elle pourra dire moi, ça m'a bouleversé entièrement mon organisation familiale de manière substantielle et donc c'est plus possible. Merci beaucoup, en tout cas, je pense que vous allez faire beaucoup de copines chez les caissières quand vous ferez vos courses. Ça c'est offert, Maître Tibi, c'est offert. Allez, c'est pour vous. Merci beaucoup à toutes les trois, en tout cas, d'être venues nous voir, Sandra Salvador, avocate en droit de la famille au barreau du Val-d'Oise, Barbara Sibi, avocate droit pénal à Paris également, et Emmanuel Tibi, donc avocate des caissières maintenant à Paris en droit social. Merci beaucoup à toutes les trois. À très bientôt sur ce plateau, j'espère. Et puis on se retrouve en ce qui vous concerne très très vite avec un nouveau numéro d'avocat à voir sur toutes vos chaînes préférées, également quand vous le souhaitez avec le replay sur le www.avocat.net. À bientôt, salut.